tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo cuisine. Ça fait super longtemps que j'en ai pas faite, donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va être particulière puisque ça va être une semaine dans mon Cookéo. Je vous embarque avec des recettes spéciales pour le Cookéo. Donc il y en a qui sont mes propres recettes et d'autres que j'ai prises dans des livres mais que j'assaisonne à ma sauce, puisque j'ai toujours l'habitude de faire à l'œil et de rajouter des ingrédients que j'avais même pas prévu moi-même de mettre. Donc là quand c'est des recettes toutes faites, j'ai du mal, à part quand c'est de la pâtisserie, à faire point par point ce qu'on me dit. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je peux faire avec le Cookéo. C'est vrai qu'avant c'était un appareil que j'aimais pas, je trouvais qu'on avait rien de spécial à faire, et puis au final j'ai téléchargé l'application qui m'a permis de voir qu'il y avait plusieurs recettes, et ensuite j'ai acheté les livres pour me donner d'autres petites idées. Au final je vais pas dire que je m'en passe pas puisque j'arrive à cuisiner sans, mais c'est quand même un appareil que j'aime bien. Le mien est très 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 vieux, c'est le premier modèle que j'avais acheté, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2015 ou en 2016, un truc comme ça, et je l'avais pris d'occasion à une copine qui elle-même l'avait pris juste avant, donc il est vraiment très vieux. Maintenant vous avez des nouvelles versions qui sont quand même un peu meilleures que la mienne, mais voilà, quand même je vous embarque avec moi, j'espère vraiment que ça va vous plaire et surtout que ça vous donnera des idées. Pour cette première recette, on va commencer par un chili con carne. Donc je me suis inspirée de cette recette qui était dans mon livre, qui est celle-ci, une sans viande. Donc on va avoir besoin d'épices, de cumin, de paprika, d'origan et d'ail. À la base, ils nous demandent d'avoir des épices Tex-Mex, mais comme j'en avais pas, j'ai mis celle-ci et ça allait très bien. On va aussi avoir besoin d'un citron, de l'ail, un poivron vert et un poivron rouge, des carottes, un oignon, du maïs en boîte, des haricots rouges pareil en boîte et du concassé de tomates, de l'huile d'olive et un tout petit peu de coriandre en feuille pour la fin. Donc on va commencer par éplucher les carottes pour après les couper. On va faire de même avec le poivron. C'est toujours mieux de préparer ses légumes avant de les couper, avant de commencer la préparation, parce que des fois ça va très vite, surtout quand c'est sur le feu ou même là au Cookéo, ça va super vite. On n'a pas le temps de recouper pendant qu'il y a autre chose qui est en train de cuire. Donc c'est toujours bien de s'arranger à le faire avant. Ensuite, je vais mettre mon Cookéo en mode doré, je vais rajouter un fond d'huile d'olive et je vais commencer à faire revenir mes oignons et mes carottes. Une fois que les oignons sont devenus translucides, je vais mettre ma viande hachée et je vais bien mélanger pour qu'il n'y ait plus aucun morceau qui soit rose dans la viande. Donc c'est important de mélanger tout en faisant cuire. Ensuite, pour couper mon poivron, je vais vous montrer une technique que j'ai vue sur TikTok qui est ultra facile et qui est vraiment la meilleure en fait, je crois, pour couper les poivrons et éviter d'avoir des graines de partout. Donc vous allez retourner votre poivron et vous allez couper dans le sens en fait, comme est fait le poivron, sur chaque quartier. Et ensuite vous n'avez plus qu'à ouvrir. Et voilà, le tour est joué, c'est ultra simple et ça évite de galérer à enlever le dessus, etc. Et ensuite, vous avez juste à enlever, vous voyez, les morceaux de poivrons, ils vont s'enlever très facilement. Et ensuite, vous les coupez comme vous voulez. Donc là, dans cette recette, je préfère les faire en lamelles, mais vous pouvez aussi les faire en petits carrés. Ensuite, on va rajouter du coup nos poivrons à la préparation,
le maïs, les haricots rouges. J'ai mis le concassé de tomates. Finalement, il n'y en avait pas assez puisque bah, du coup, je fais des grosses portions comme vous le savez. Je cuisine le soir et on remange le midi. Donc une boîte ne suffisait pas, j'en ai mis une deuxième. Ensuite, pour donner un petit goût assez frais, je vais rajouter du citron que je vais presser dans ma préparation et c'est à ce moment-là que je vais rajouter les épices. Donc comme je vous disais, je me suis inspirée de la recette qui était dans le livre mais je la fais à ma sauce, je fais tout le temps ça en fait. Je prends des recettes par-ci par-là et je les change, je mets les épices que moi je préfère, je rajoute des ingrédients ou j'en enlève. Et là pour le coup, bah, du coup j'ai rajouté quelques épices, j'ai mis le jus de citron, j'ai rajouté de la viande et comme je vous ai dit, j'ai remis un petit peu plus de concassé de tomates pour qu'il y ait plus en fait de sauce. Une fois qu'on a écrasé notre gousse d'ail à l'intérieur de notre préparation, on mélange tout et on va passer en cuisson sous pression pour 8 minutes. Ça fait un petit quart d'heure à peu près en comptant le préchauffage, la cuisson plus la fin de cuisson. Et voilà ce que ça donne, un bon chili con carne en rajoutant en plus les carottes. Ça fait beaucoup de légumes pour les enfants et c'est ultra bon. Nous on aime bien l'accompagner avec du riz. Je rajoute des petites feuilles de coriandre séchées sur le dessus pour donner un goût et que ça rehausse tout ça et aussi visuellement ça sera plus joli. Et donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on passe au sauté de poulet au curry. Donc, on va avoir besoin de blanc de poulet, de carottes, d'ail, d'oignons, de riz ou de boulgour, de la crème de coco ou lait de coco, du concassé de tomates, du gingembre, du curry, du curcuma et un petit peu d'huile d'olive. Donc, cette recette est toute simple. Au tout début, j'avais prévu de la faire avec du riz, mais vu qu'on en avait mangé la veille, finalement, j'ai changé et j'ai mis du boulgour. C'est tout aussi bon et pour la cuisson, vous verrez que c'est exactement pareil. Vous pouvez aussi faire avec des pâtes, après c'est selon vos goûts, ou même avec de la semoule. Donc je vais commencer par couper mon oignon. Donc vous allez voir, dans toutes mes recettes, il y a de l'oignon. Je trouve que c'est vraiment la base en fait. Huile d'olive, oignon, dans toutes mes recettes. Je commence toujours par ça et je vous jure que ça donne un super bon goût. Bref, du coup on va prendre les blancs de poulet, on va les couper en petites aiguillettes. Après la forme n'a pas d'importance, vous pouvez aussi faire des carrés. Vous pouvez même faire ça avec des cuisses de poulet si jamais vous voulez. Mais c'est vrai qu'avec des blancs de poulet coupés en aiguillettes, c'est vraiment meilleur. On commence par faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive, on met le poulet et on va laisser cuire jusqu'à ce que tout le poulet soit bien doré. Ensuite je vais couper mes carottes, donc là il m'en restait plus beaucoup, j'en ai pas mis beaucoup mais je vous conseille d'en mettre un peu plus, ça fait plus de légumes et franchement ça donne un super bon goût. J'ai décidé de les couper dans le sens de la longueur, je trouve que c'est... j'aime bien changer de forme comme ça, surtout quand on mange le même légume sur plusieurs jours d'affilée. Une fois que mon poulet et mes oignons ont bien revenu, c'est à ce moment là que je vais rajouter les épices pour qu'elles s'incorporent bien dans la viande, donc curcuma, curry et du gingembre, et ensuite on va bien mélanger et laisser en fait les saveurs des épices se mélanger à la viande. Ensuite je rajoute ma gousse d'ail, donc ça faites bien attention de ne pas le mettre au tout début parce que l'ail brûle très vite. Donc il vaut mieux mettre au moment en fait où on va rajouter la sauce et pas avant avec les oignons. Ensuite je vais rajouter mon concassé de tomates et pareil que pour l'autre recette j'en ai rajouté puisqu'il n'y en avait pas assez. Et ensuite je vais mettre la crème de coco, donc moi j'ai pris de la crème de coco mais vous pouvez tout à fait mettre du lait de coco, c'est quasiment la même chose et ça a exactement le même goût.
Et ensuite, on va rajouter les carottes. Donc là, il n'y en avait pas beaucoup, comme je vous ai dit. Moi, je vous conseille d'en mettre plus. Et vous pouvez aussi mettre d'autres légumes, comme de la courgette, même du brocoli, ce que vous voulez. Avec les choux-fleurs aussi, je pense que ça peut très bien passer. Et ensuite, je vais faire cuire aussi mon boulgour avec la sauce. Donc, je vais mettre le panier vapeur. Je mets du papier cuisson au fond pour pas que les grains de boulgour tombent. Je rajoute le boulgour. Et je mets un fond d'eau sur le dessus et ensuite j'ai juste à fermer mon Cookeo et le mettre en cuisson sous pression pour 10 minutes. Et ensuite vous allez voir que tout est prêt, on a simplement à dresser. Et à la fin je rajoute un petit peu de persil sur le dessus, ça c'est pour donner un petit peu de goût et aussi que ça soit plus joli. Et je vais prendre les épices, notamment le paprika que je mets directement par dessus. Donc si jamais vous n'aimez pas trop les épices, ne faites pas ça parce que forcément ça rehausse le goût. Mais nous on aime bien et en plus de ça après visuellement c'est aussi très joli. Maintenant, on passe au poulet olive façon tagine. Vous allez avoir besoin de gingembre, de paprika, de coriandre. Vous pourrez mettre aussi un petit peu de curcuma si vous voulez. Moi, j'ai préféré ne pas en mettre. Des olives vertes dénoyautées de préférence. Un citron ou alors du citron confit. Un oignon, de l'huile d'olive, la base. Des pommes de terre. Et pour nous, ce sera cuisse de poulet, mais vous pouvez aussi le faire avec un poulet entier. On va commencer par faire revenir les oignons dans l'huile d'olive. Comme je vous ai dit, c'est la base de toutes mes recettes. Franchement, c'est ce qui donne vraiment la saveur et le goût. C'est la base, comme son nom l'indique. Ensuite, on va rajouter nos cuisses de poulet pour les faire revenir. Vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir cette étape-là et de ne pas passer directement à l'étape du four. Une fois qu'on a mis toutes nos cuisses dans la cuve du Cookeo, on va rajouter du coup nos épices. Donc c'est le même principe que pour le poulet au curry. C'est pour que les épices rentrent bien dans la viande et que la viande soit bien parfumée. Donc comme d'habitude les épices, franchement j'ai pas trop de dosage à vous donner. Je fais vraiment à l'œil tout le temps. Je sais que c'est compliqué mais j'ai peur de vous dire 2 cuillères à soupe et que ça soit trop ou 2 cuillères à café et que ce soit pas assez. Donc je vous laisse un petit peu regarder comme je fais. Je sais que c'est compliqué mais vous allez voir qu'au fil du temps à force de cuisiner, vous aussi vous allez beaucoup faire à l'œil. Une fois que j'ai mis du coup mes cuisses avec les épices que j'ai bien mélangées, j'ai rajouté les olives que j'ai rincées à l'eau avant. Il faut vraiment le faire sinon ça risque d'être trop salé. Je rajoute un peu d'eau, je prends mon citron que j'ai coupé, je mets à l'intérieur mais c'est vraiment mieux avec des citrons confits, essayez. Donc du coup pour pallier à ça, je rajoute un petit peu de jus de citron et je vais laisser en fait juste 1 minute en cuisson sous pression. C'est vraiment pour que la viande ait vraiment toutes les saveurs des olives, des épices, du citron, etc. Et pendant ce temps, je vais simplement couper mes pommes de terre. Donc après, vous les faites comme vous voulez, soit en frites, soit en carrés, peu importe. Moi, j'ai décidé de les faire sauter, donc je les fais en espèce de petits carrés. Et je les mets dans un saladier rempli d'eau pour éviter que les pommes de terre deviennent toutes noires. Donc voilà, c'est la petite astuce quand vous êtes en train de cuisiner autre chose et que ça va pas partir directement dans l'huile à cuire et tout. Mettez-les dans l'eau et vous allez voir que ça va enlever un petit peu l'amidon et surtout ça va éviter qu'elles noircissent. Une fois que mes cuisses de poulet sont revenues dans la cuisson sous pression pendant 1 minute, je vais les poser sur ma plaque de four. J'utilise un papier cuisson réutilisable que j'avais pris chez Lidl, mais il était aussi chez Aldi. Et c'est vers cette période-là, c'était il y a un an, je crois vers avril, mai, vers là, ils mettent en fait tout ce qui est pour la cuisson, donc vous risquez de les retrouver. Je prends une louche et je rajoute un petit peu de sauce et d'olive à mes cuisses et ensuite je vais les passer du coup au four. Vu qu'elles ont pré-cuit, en fait c'est simplement pour les faire rôtir et que la peau soit bien croustillante. Donc ça dépendra de votre four. Moi je les mets à peu près 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps je laisse mon Cookeo en mode doré et je vais faire revenir le reste de sauce en fait qu'il y avait. Faut pas que ce soit trop liquide, il faut que la sauce commence un petit peu à épaissir. Et quand c'est fait je rajoute un petit peu de coriandre. Thank you.
Une fois que ma sauce est terminée, je la mets dans un saladier à part et je vais garder du coup la cuve du Cookeo comme ça, je ne la rince pas. Je rajoute juste de l'huile d'olive et je vais faire revenir à peu près 5 minutes les pommes de terre à l'intérieur. Je rajoute un petit peu de coriandre sur mes pommes de terre, je mets un tout petit peu de la sauce à l'intérieur et là cette fois-ci je vais arroser avec un petit peu d'eau. Pareil, j'ai pas de proportion parce que ça dépend aussi du nombre de pommes de terre que vous allez mettre, mais c'est vraiment un tout petit fond parce qu'après on va les passer en cuisson sous pression. En fait il faut qu'il y ait assez d'eau pour pas que le Cookeo bug, mais il en faut pas trop, faut pas non plus noyer ses pommes de terre à l'intérieur. C'est simplement pour qu'après ça fasse un effet de vapeur et c'est ce qui cuise l'intérieur des pommes de terre. Et pendant ce temps je vais sortir mes cuisses, comme vous le voyez elles ont bien rôties et c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va passer au pad thaï avec les gyoza. Donc, vous allez avoir besoin de citronnelle, de paprika, d'épices thaï. Donc, ça, c'est des épices que je prends qui sont déjà mélangées. Je les achète en boucherie, mais vous allez pouvoir les trouver aussi dans les rayons du monde. Du gingembre, de la sauce soja. Ensuite, on va aussi avoir besoin de poivrons, d'huile d'olive, de blanc de poulet, de poireaux, d'ail. Des nouilles de riz, donc moi j'ai préféré prendre des nouilles de riz, mais vous pouvez aussi faire avec des nouilles traditionnelles aux œufs, c'est comme vous le souhaitez. Et évidemment la coriandre en feuilles. Pour la pâte à gyoza, je vous mettrai en barre d'infos la recette que j'ai suivie. Et pour la farce, c'est tout simple, c'est simplement du poulet avec de la citronnelle, un petit peu de coriandre et de la ciboulette. Ensuite on va prendre du coup les poireaux que l'on va couper en rondelles. Ensuite, on va faire revenir du coup notre poulet dans la cuve du Cookeo en mode doré avec un petit peu d'huile d'olive. Et à ce moment-là, du coup, je vais rajouter les épices, donc citronnelle, paprika, la coriandre et les épices thaï. Une fois qu'on a rajouté les poivrons avec les poireaux, on va rajouter un petit peu de sauce soja. Si jamais vous craignez un petit peu la sauce soja salée, n'hésitez pas à rajouter de la cassonade ou à directement prendre de la sauce soja sucrée. On va rajouter un petit peu d'eau pour pouvoir passer en cuisson sous pression. Pendant que ma cuisson sous pression d'à peu près 10 minutes est en train de se faire, je vais passer au gyoza. Donc c'est tout simple, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos la recette pour la pâte. On a simplement à l'étaler, de toute façon la pâte c'est que de la farine et de l'eau, c'est très très simple et elle s'étale très bien. Si jamais vous avez juste à rajouter de la farine, dans la recette que j'ai vue nous disent de rajouter de la maïzena, mais je vous le déconseille parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on touche ça c'est sensible. Avec la maïzena j'arrive pas à toucher la pâte, donc moi je vous conseille plutôt de mettre de la farine. Ensuite on va prendre ce petit emporte-pièce spécial pour ravioli, on met un disque de pâte, on rajoute notre farce et on ferme, c'est aussi simple que ça. Et ensuite on peut juste modifier le dessus en faisant des petites pliures, on va dire comme ça, parce que c'est plus comme ça que sont les gyoza, mais après c'est juste une question d'esthétique, vous faites ça comme vous voulez et vous allez voir que c'est très simple à faire et très facile, surtout avec ce petit accessoire. Thank you.
Une fois que le poulet avec les légumes ont terminé de cuire, on va rajouter les nouilles de riz à l'intérieur et on va passer en mode doré. Et en fait, on va juste suivre les instructions du paquet. Le mien disait qu'il fallait laisser 2 minutes, donc pendant 2 minutes, je vais laisser. Je remue de temps en temps pour bien incorporer les nouilles, parce qu'il faut savoir qu'elles sont toutes droites quand on les pose, mais après, bah, du coup, ça devient beaucoup plus souple, donc il faut bien mélanger. Et on va passer à la cuisson des gyoza. Donc dans une sauteuse, on va mettre du beurre ou du beurre liquide ou même de l'huile, peu importe, à chauffer. On va poser nos gyoza crus directement dessus et en fait on va attendre que le dessous devienne tout doré. Et c'est que à ce moment-là, donc je vais vous montrer juste après moi la couleur que j'attends. Je vous disais, c'est que à ce moment-là qu'on va pouvoir rajouter un petit peu d'eau et refermer pour que ça fasse la cuisson vapeur. Et voilà ce que ça donne. J'accompagne les gyoza avec de la sauce pour nem. Pour le pad thai, ce que je fais, c'est que pareil, je prends les épices et je les mets sur le dessus pour que ce soit plus joli visuellement. Je rajoute un petit peu de coriandre en feuilles et aussi du persil. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, c'est la dernière recette, donc la plus simple. On va avoir besoin de sauce tomate. Nous, on utilise la napolitaine de chez Lidl, des pâtes, de l'oignon, de l'origan, du parmesan, donc ça sera pour la fin, du fromage, ail et fines herbes, des courgettes rondes qui sont plus faciles à farcir et de la viande hachée. Donc je vais prendre mon oignon que je vais vraiment mettre en tout petits morceaux. Le mieux, ce serait vraiment de le hacher dans un robot ou quoi. Là, j'avais la flemme d'utiliser le Cook Expert juste pour ça, donc j'ai préféré le faire à la main. Ensuite, dans un saladier, du coup, on va mettre nos oignons coupés avec la viande hachée. On va rajouter du sel, du poivre et moi, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour que ce soit un petit peu moins sec. Je fais une farce très simple sans vraiment d'épices ni rien parce que vous allez voir qu'au milieu, en fait, je vais mettre du fromage ail et fines herbes. Donc, pour éviter de faire trop de saveur, je fais vraiment une farce simple. Mais si jamais vous faites sans le fromage ail et fines herbes, je vous conseille quand même de mettre un petit peu plus d'épices, de condiments pour que ça rehausse le goût. Ensuite, on va prendre nos courgettes rondes. Donc, pourquoi rondes? Parce que vous allez voir, pour les farcir, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi le faire avec des courgettes simples, mais je préfère quand même avec les rondes. On va enlever l'intérieur que l'on va laisser dans un bol. On rajoute un petit peu de farce au fond. Et ensuite, c'est là où ça va être la surprise. Et c'est tellement bon de faire comme ça, franchement. Le mieux, c'est quand vous ne le dites pas aux invités et qu'ils ne s'y attendent pas. Et quand ils ouvrent, ils voient ça. Donc, on va prendre un petit peu de fromage ail et fines herbes ou même aux noix. Peu importe, nous, on aime celui ail et fines herbes. Donc, on a pris celui-ci. Mais vous pouvez même mettre de la mozzarella, mettre de la feta ou même du comté. Peu importe. Mais voilà, une petite boule de fromage. Vous refermez avec encore de la farce et vous allez remettre le chapeau de votre courgette. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, moi, je vais les poser au fond de ma cuve Cookéo et je vais mettre de l'eau. Le mieux, c'est quand même de les mettre dans le panier vapeur. Mais là, vu qu'il y en avait 5, ça ne rentrait pas. Donc, j'ai mis directement au fond du Cookéo. Ça pose pas de problème. Et ensuite, on va refermer et on part en cuisson rapide pour 15 minutes. Et une fois que nos courgettes sont cuites, je laisse l'eau de cuisson et là je vais faire un one pot pasta en mettant simplement les pâtes, la sauce tomate. Je vais rajouter aussi le reste de farce qui me restait, donc ça c'est important aussi, si vous en reste, ne gaspillez pas, remettez dedans. Je rajoute un petit peu d'origan et ce qui va faire vraiment trop bon, mais comme je vous dis trop bon, c'est de rajouter l'intérieur en fait des courgettes. Vous le coupez en petits morceaux et vous mettez à l'intérieur et ça va donner du fondant à votre one pot pasta et surtout des légumes parce qu'on sait tous que c'est important, mais vraiment c'est trop bon de faire comme ça. On mélange le tout, on va rajouter un tout petit peu d'eau parce que là il n'y en avait pas assez et on part en cuisson sous pression pour 9 minutes. Thank you.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des petites recettes, des petites astuces, et que si jamais vous n'avez pas le Cookéo, vous aurez peut-être envie de l'acheter, parce que moi qui le détestais avant, finalement je l'aime trop et je vois que je peux faire énormément de plats avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.